Gabriel, viens voir ici, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Bonjour Archange Emmanuel, quelle est cette grande nouvelle? Eh bien, figure-toi que Dieu va envoyer ton fils sur la terre. Quoi? Mais pourquoi? Et ça discute par là, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut envoyer Jésus sur la terre et il faut qu'on prépare tout ça. Oui, mais pourquoi? Il est si bien ici, avec nous. Pourquoi irait-il sur la terre? Dieu veut sauver les humains. Ah, bah ça c'est bien parce qu'ils en ont vraiment besoin. Bon, allez, on appelle les responsables des légions célestes et on s'organise. Ok, c'est parti! Ange Paprenelle, vous êtes là? Présent! Ange Citronnelle, où êtes-vous? Présent! Ange Canelle et Mirabelle, au rapport. Présent! Présent! On a aussi besoin de Sentinelle, il est par là? Présent! Ambronelle, nous deux, on va aller annoncer à Joseph que sa fiancée est déjà enceinte. Il va peut-être mal le prendre. Bah, c'est comme ça. Citronnelle! Oui? Nous allons annoncer à Marie qu'elle est enceinte de Jésus. Ok. Sentinelle? Oui? Tu vas aller placer l'étoile dans le ciel pour que les trois rois mages puissent trouver l'étable où Jésus va naître. D'accord. Évidemment, ils n'ont pas encore inventé les téléphones portables et le GPS, ces humains-là. Ils suivent encore les routes avec les étoiles du ciel et la voix de Dieu. Ben, c'est sans doute pour ça qu'ils sont en meilleure forme que les humains de 2020. Vous deux, vous allez de suite nous faire réviser un des chants pour la naissance, ok? Ok. Alors, faut pas se planter. C'est quand même un grand événement à la naissance de Dieu. Donc va falloir envoyer bien fort, bien comme il faut. 1, 2, 3, c'est parti! Yes! Il va falloir envoyer bien fort et bien comme il faut. On croirait vraiment le briefing du groupe Louange, c'est avant la célébration. On dit, il faut pas faire n'importe quoi, les gars, il va falloir y aller. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe de la petite troupe pour cette superbe vidéo. C'est vrai qu'on se rend pas compte de toute la réalité de l'organisation spirituelle au ciel. Je suis pas sûr que ça soit toujours comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose de magnifique avec ce qu'ils nous ont présenté. Donc deuxième dimanche de l'Avent ce soir, vous savez le terme de l'Avent ça vient du latin en fait qui veut dire arriver et on se prépare dans le temps de l'Avent pardon à ce qui va arriver. Mais je crois et c'est vraiment important si vous êtes là ce soir, vous regardez voilà ce live peut-être même par hasard pour vous, c'est de comprendre que si l'on connaît pas Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur dans sa vie, peut-être que Noël n'a pas de sens, que Noël n'a pas une vraie raison d'exister. Il n'y a peut-être même pas de joie. J'aimerais vous encourager, si ce soir vous êtes là, vous dites « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte ?» J'aimerais te dire que
Jésus-Christ aimerait pouvoir vivre une relation avec toi, pouvoir simplement te connaître et te révéler le Père. Et il y a quelque chose de tellement beau, tellement magnifique, de tellement plus grand que ce que tu peux imaginer, que toute la religion, toutes les prières apprises par cœur ne peuvent pas t'amener. Mais une connexion personnelle avec ce Dieu qui est extraordinaire, qui t'aime et qui veut se manifester, qui veut te faire connaître son cœur et sa volonté. Donc si ce soir c'est ton cas, si ce soir tu dis « mais moi je ne connais pas Jésus de cette manière-là », j'aimerais simplement te pouvoir t'inviter à lui dire ce soir « mais viens dans ma vie, sois mon sauveur, sois mon Seigneur ». C'est ce que ça annonce Noël, un sauveur vous est né, le Fils vous est donné. Et puis, n'hésitez pas à pouvoir nous contacter sur notre adresse email, par exemple, ou dans les commentaires, mais autrement sur notre adresse email, sur info@gc-lacote.org. Et je crois que Dieu a de merveilleuses choses pour toi. Voilà, bonsoir Église. Bonsoir à chacun. J'espère que vous allez tous bien. On est donc en direct du Gospel Center Lacote. Et c'est tellement bon de pouvoir mettre du temps à part. Du temps où on veut déclarer à notre Seigneur qu'il a la première place. Vous savez, Église, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est important parce que des fois, on sait la théorie, mais ça veut dire que Jésus-Christ veut agir dans ta vie de la même manière qu'il agissait dans les évangiles. Et ceux qui sont d'accord devraient inscrire « Amen » dans les commentaires. Ça devrait fuser de toutes parts. J'espère que ça écrit, que les lignes se déroulent à une vitesse folle parce que Dieu est vivant et que Dieu est bon. Et on va pouvoir voir un témoignage tout de suite de ce que fait ce qu'a fait Dieu, notre Seigneur, aujourd'hui, quoi, ces dernières semaines, dans la vie d'une sœur, de la vie de Pauline. Alors, est-ce que, si à la technique, on peut mettre la vidéo, c'est avec grande joie. Merci beaucoup. Bonjour Église, voilà, c'est Pauline. Je me permets de faire cette vidéo pour vous faire un témoignage de ce qui s'est passé par la grâce de Dieu. En fait, il y a quelques semaines, j'ai appris que ma grand-mère avait le Covid. Elle est dans un EMS en France. Et puis, les choses se sont dégradées. Ils étaient plus 9, mais 25 à l'avoir. Enfin bon, voilà, c'était pas jojo. Et puis, j'ai prié le Seigneur. Et puis voilà, j'ai vraiment demandé sa grâce pour toutes ces personnes isolées, toutes ces personnes qui vivaient vraiment dans des conditions, toutes nos personnes âgées, vraiment c'était dur. Et puis un soir où j'étais dans le lieu secret, il m'a montré un arc-en-ciel, signe de son alliance. Et puis on avait fait la soirée de prière impact, et vous avez été vraiment incroyable de prier aussi pour eux. Et Christophe, notre pasteur, il avait reçu une parole de connaissance par rapport à ma mamie et par rapport à tout ce qui s'est passé à l'EMS. Et donc, à partir de là, le Seigneur m'avait demandé d'appeler et de lui parler, de lui annoncer la bonne nouvelle et aussi, voilà, de juste passer du temps avec elle. Et donc, je l'ai appelée. La première fois, c'était compliqué, mais j'ai quand même, voilà, on a quand même persévéré, obéi au Seigneur et voilà, lui dire que Dieu l'aimait et le bon Dieu, comme tu disais, pasteur. Et puis, la deuxième fois, c'était pire. Et puis, je disais à pasteur Sabine, je disais, voilà, c'est un peu comme Jéricho, je fais le tour, j'obéis, mais je ne vois pas. Mais par la foi, voilà, je continue parce que je sais que si Dieu m'a dit qu'il y avait une alliance, et ben, elle y était. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai rappelé et je tiens à rendre gloire à Dieu, car tous les membres de l'EMS vont très très bien. Ils ont ils sont retournés dans la pièce principale, leur pièce de vie. Ma grand-maman, elle recommence à manger, à boire, elle n'a plus d'oxygène, elle avait le sourire, tout le monde était joyeux, ils commençaient à mettre les lumières de Noël, ils vont avoir des spectacles, tout reprend. Voilà, c'est vraiment un miracle de dingue que je voulais partager avec vous, et je voulais aussi vous remercier vraiment très fort pour vos prières et voilà, dire que ben, Dieu est bon, il nous entend et même quand on ne le voit pas, il agit, et vraiment c'est glorieux. Voilà, donc gloire à Dieu et merci à tous. Soyez bénis. Amen. Magnifique. Merci Seigneur.
Merci Seigneur, vraiment. Là aussi encore, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos encouragements. En tout cas, merci à Pauline pour ce retour, ce témoignage. C'est extraordinaire ce que l'Éternel fait. Et je veux qu'on puisse prier, qu'on puisse l'accueillir au milieu de nous. C'est tellement important de lui laisser cette première place parce que c'est Dieu qui agit. On a envie de lui dire, mais Seigneur, pas à nous, mais à ton nom seul, donne gloire. Seigneur, moi je te remercie parce que oui, tu nous utilises, tu permets, Seigneur, qu'on reçoive des révélations de ton cœur, mais on veut croire que, Seigneur Jésus, c'est toi qui agis. Parce que comme le dit ta parole, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, comme tu le seras éternellement. Seigneur Jésus, moi je te remercie pour la guérison qui était libérée dans ce TMS. Merci pour chacune de ces personnes, Seigneur, qui a pu être touchée par cette grâce-là. Et on te prie pour que cette maison de retraite devienne une maison de salut. Que le salut entre dans cette maison, Seigneur Jésus. Et que chacun, chacune, Seigneur, là où ils en sont, mais qu'ils puissent être visités par toi, transformés par toi, être connus de toi. Qu'ils puissent comprendre, Seigneur, alors que finalement ils sont dans un âge avancé, qu'il y a un royaume tellement extraordinaire qui nous attend auprès de toi et dans les mains du Père. Seigneur, que nos vies soient sans cesse inclinées selon ta volonté. Seigneur Jésus, que nous qui te connaissions, nous ayons toujours sur le cœur aussi de non pas seulement chercher les miracles ou les actions que tu fais, mais que nous cherchions à avoir une relation toujours plus profonde avec toi. Et on sait, Seigneur, ta Bible dit que lorsqu'on te contemple, on est transformé de gloire en gloire à ton image. Et moi, je crois que là, au travers, Seigneur, quand tu es présent, alors je sais que la guérison, la délivrance, que la bénédiction sont libérées. Mais avant tout, Seigneur, que nous puissions chercher toi seul, ta présence, qui tu es. Seigneur, on veut te demander de pouvoir ce soir, encore une fois, pouvoir te glorifier, de pouvoir faire ce que toi seul désires au milieu de nous, Jésus. On vient devant toi, on est là, nous on a tout préparé, Seigneur. Mais ce qu'il y a de plus précieux, c'est que toi-même, tu sois révélé, que le Saint-Esprit puisse révéler Jésus dans les maisons, dans les lieux où chacun est connecté. Saint-Esprit, merci de libérer vraiment ta grâce, ta faveur sur toutes celles et ceux qui nous regardent, Seigneur Jésus. Tu connais, Seigneur, les défis, tu connais les défis de chacun, Seigneur, quels qu'ils soient. Et je te prie que ta grâce, ta bonté, ta folie, on sait que tu n'es pas folie, mais ta parole dit que ta folie est toujours plus sage que notre sagesse. Alors que ta folie soit libérée dans les maisons, Seigneur. Que ta vie jaillisse en abondance. Et qu'un souffle de résurrection visite chaque foyer maintenant dans le nom de Jésus. On appelle, Seigneur, à une manifestation de ta présence, de ta gloire. Que la réconciliation soit libérée dans les familles, dans le nom de Jésus. Et qu'il y ait une joie de découvrir qui tu es. Que chacun, Seigneur, puisse simplement, au travers des connexions qui se font ce soir, puisse dire, mais j'avais entendu parler du Seigneur, j'avais entendu parler de plein de choses, mais maintenant, je le connais, maintenant mon œil le voit. Seigneur Jésus, nous nous positionnons en toi et nous déclarons que tu es notre Sauveur, que tu es notre Seigneur, et que toutes celles et ceux qui sont en toi, qui sont nés de nouveau, peuvent déclarer avec confiance qu'ils sont saints, et juste devant le trône de Dieu. Et que tous ceux qui sont en accord avec cette prière puissent déclarer un amen tonitruant d'une manière juste extraordinaire. Amen, 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 amen. Alors ce soir, on vous êtes là en ligne sur YouTube, Facebook Top Chrétien. On aimerait vous accueillir, on aimerait savoir qui est là. Et ce soir, on va se connecter, non pas avec Pasteur Sabine, parce qu'elle est dans le local juste ici, mais on sera avec Laura Schmutz, qui sera notre interlocutrice ce soir. Donc si on peut la connecter, s'il vous plaît. Bonsoir Laura. Hello. Je me branche, moi. Comment ça va? Mais ça va bien, et toi? Magnifique. Magnifique. Alors, qui est connecté ce soir? Eh bien, on a une ribambelle de gens qui sont connectés aujourd'hui sur YouTube. Alors, moi, je n'entends pas Monique. Du tout non plus. Je ne sais pas, est-ce qu'on l'entend sur le live? Ok. Écoute, écoute, dis qui est connecté. Moi, je n'entends pas. Je verrai après. Fais seulement. Ok. Alors, on a Monique qui est connectée, Karine Chollet, Sylvain, Elisabeth,
On a la famille Bidot, on a Marc et Florence Vuffray, on a Christine et Alain Prudente, on a Sabine qui nous dit coucou aussi, de l'autre côté cette fois. Pauline, Ladis, Reynald, Pascal, Bernard, Vincent, Wendy, Isabelle et Maria. Donc, on a vraiment beaucoup de nous regardent. Je ne sais pas si je suis toujours avec vous ou pas, il me semble que oui. Et ensuite, sur Facebook, on a encore des personnes qui nous ont dit coucou. On a Jacqueline, Rémi, Muriel et Jean-Daniel. Donc, bienvenue à vous. C'est vrai qu'on a reçu plein de messages, donc ça fait plaisir de vous voir. Et puis, on a aussi plein de remerciements pour la petite troupe, donc les enfants qui nous ont chanté cette belle chanson. Marc, Alain, Pauline, Christine et Bernard nous disent merci pour cette belle chanson. Et puis, on a aussi plein de remerciements pour ton témoignage, Pauline, qui était touchant et vraiment encourageant. Donc, merci à vous. Waouh, c'est super. Oui, en tout cas, on était très, très encouragés par, c'est vrai, cette petite vidéo. Elle est super sympa. C'est super chouette. Donc, en tout cas, merci, c'est vrai. Merci à vous toutes et tous qui êtes donc connectés. J'ai enfin, en fait, un retour avec Laura, ce qui est extraordinaire. Moi, je ne sais pas exactement qui est là, mais Dieu le sait, Dieu vous voit. Donc, je vous encourage à la maison à avoir confiance que l'Éternel fait une œuvre qui est extraordinaire. Je ne sais pas si, Laura, tu voulais encore dire quelque chose. Comment tu te sens, là, toi, ça va? Tout va bien pour toi? Moi, tout va bien. J'ai un peu chaud, mais je suis super contente d'être ici et de pouvoir quand même partager un petit bout de ce moment avec vous. Et je me réjouis de vous revoir en vrai. C'est vrai, hein, ce sera sympa quand on verra les gens en vrai. Ça va faire tout bizarre. Ouais. C'est pour bientôt, les amis. En tout cas, on a hâte de cela. Merci, Laura, en tout cas, d'être là avec nous, de faire ce service. On est très honorés que ce soit toi qui le fasse. Donc, merci beaucoup. Ouais, vous pouvez taper des mains aussi à la maison. Vous pouvez vous réjouir. On se retrouve tout à l'heure, Laura. Donc, on va pouvoir se déconnecter. On se retrouve tout à l'heure. En tout cas, merci. N'hésite pas à m'interpeller s'il y avait besoin, comme on a partagé avant. Avec beaucoup, beaucoup de joie. Je remercie aussi l'équipe technique de pouvoir simplement maintenant afficher le QR code pour l'offrande. Je ne vais pas faire de discours sur l'offrande. En tout cas, merci de votre générosité, de votre fidélité. C'est une grâce véritablement de pouvoir continuer à l'œuvre du Seigneur, le ministère qu'il nous confie. Donc, on veut se réjouir. Ici, on est une petite équipe. Vous savez, on a le droit d'être un peu plus que 10, pas encore tous réunir, mais en tout cas, on se réjouit de pouvoir accueillir ce soir nos apôtres Mado et Werner Lehmann au milieu de nous. C'est apôtre Werner qui apportera le message. En tout cas, ici, il y a beaucoup de joie, de la petite équipe qui est là. Je vois même les techniciens qui sautent en l'air, là, sur leur, c'est magnifique. À part Jérôme, mais c'est une question de souplesse. C'est pas une question de cœur. Je vois que dans son cœur, il est là. Je vois pas sur son visage, mais je connais son cœur. Donc il y a pas de souci. Ne le jugez pas, frères et sœurs. Mais vraiment, je t'aime, mon frère. En tout cas, merci d'être là aussi. J'aimerais. Aussi, remercier, c'est vrai, on peut remercier tous ceux qui servent ici, c'est tellement précieux. On va vivre ce soir aussi quelque chose véritablement d'important pour la vie de famille, puisqu'on aura un temps d'établissement de ministère. Je ne sais pas, voilà, vous ne verrez certainement pas tout le monde qui est présent ici, on est un petit groupe, mais je crois que c'est important qu'on puisse rester en communion les uns avec les autres. Là aussi, de comprendre que c'est l'Esprit qui fait une œuvre, dans laquelle on veut pouvoir s'insérer, on veut pouvoir marcher à la suite de ce que nous dit le Saint-Esprit. Et c'est vraiment important, Église, qu'on soit en communion les uns avec les autres, c'est-à-dire que spirituellement, nous fassions ce corps, cette Église locale que Jésus-Christ nous appelle à être. Donc, soyons vraiment en prière, soyons unis ensemble. On va pouvoir aussi, dans quelques instants, je vais faire quelques annonces, et dans quelques instants, on va pouvoir déclarer ensemble la promesse sur laquelle le Seigneur nous a appelés à marcher. Je vous inviterai pour ça. On se lèvera dans les maisons. Vraiment, on va être un peuple en marche pour le royaume de Dieu, dans les choses qu'il nous confie. Amen. Amen. Je vous rappelle aussi,
Je ne sais pas si du coup Laura l'a dit ou pas, donc j'ai mon temps de répéter. Il y a les équipiers de prière qui sont maintenant en train d'intercéder pour vous, en train d'intercéder pour ce moment. Il y a possibilité donc d'envoyer par email sur info, toujours @gc-lacote.org, toutes vos demandes. Vous pouvez aussi les marquer dans les commentaires, mais le plus simple, c'est par mail. Mais voilà, faites-le sans autre. Les équipiers de prière, de toute façon, lisent les commentaires, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez des témoignages à apporter, comme Pauline l'a fait d'une manière extraordinaire, qui nous encourage, n'hésitez pas à nous contacter. Là aussi, on peut regarder pour pouvoir ou bien envoyer directement quelque chose par mail. Mais voilà, contactons-nous et on va regarder, parce que je crois que c'est important qu'on puisse s'encourager aussi sur la parole du témoignage. Voilà. Que Dieu nous permet de vivre. Et ça encourage tout le peuple, c'est hyper important. On va continuer dimanche prochain à nous retrouver en ligne. Donc il n'y aura pas de porte ouverte ici. C'est un peu trop compliqué pour mettre les choses en place avec le nombre de personnes qu'on a le droit. Par contre, j'aimerais vous encourager, comme marqué sur le mailing, à pouvoir faire preuve de générosité, d'amour fraternel. On peut aussi, tout d'un coup, ouvrir sa porte, sa maison, à une personne, peut-être à deux personnes. On a le droit d'être cinq, de nous retrouver à cinq. Donc, pourquoi pas nous inviter à partager le thé avec des petits cakes, des trucs comme ça. Et puis, de pouvoir vivre cette célébration ensemble. Et pouvoir vivre concrètement ce qu'est l'Église. Parce qu'on peut regretter, on dit on se réjouit d'être ensemble, on se réjouit d'être ensemble. Mais on peut déjà marquer un pas et vivre des choses ensemble d'une manière qui est vraie et vivre quelque chose de tellement puissant autour des, voilà, dans les salons, dans les maisons. Donc faites-le sans hésiter. Amen. 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 Bon. Je devrais voir des cris de joie et des mains qui applaudissent sur les commentaires. En tout cas, j'espère que c'est votre cas. On va pouvoir prendre un temps de louange maintenant. On peut enlever, faut enlever le QR code. On va pouvoir déclarer cette promesse ensemble. J'aimerais vous inviter, Église, à pouvoir vous lever là où vous êtes, à la maison. Et nous allons faire cela. Nous sommes appelés à être une Église d'impact pour la côte, la France voisine et la francophonie. Au Gospel Center La Côte, nous croyons que l'Église est une force et une grâce divine. Jésus-Christ en est la tête et c'est lui qui appelle chaque personne, enfant, adulte, couple et famille, à faire partie du corps. Ce qui nous motive et ce que nous faisons, glorifier Dieu dans tout ce que nous professons, témoignons, ainsi que dans chacune de nos actions. Amen.
maintenant, car c'est toi et moi ensemble, à jamais, que ton amour me tiendra pour toujours, je sais que ça ne change. Te louer, nous voulons t'adorer. Je vous invite à adorer votre Dieu, votre roi, là où vous êtes. Vous levez, puis apportez votre louange et votre adoration. Prenons ce temps pour notre Père, ce cœur à cœur. Élevons son nom, lui dire combien il est digne d'être loué, combien son nom est puissant, combien son nom est merveilleux. Glorieux, le
cette église. Toute la gloire, notre Père, tu es Dieu trois fois saint, tu règnes, tu es vie, tu es vie, tu es vie. C'était comme un temps de victoire où on devait saisir la victoire et arracher à l'ennemi ce qu'il nous avait pris ou ce qu'on lui avait donné. Et le proclamer, louer notre Dieu, puis aller en tant que vainqueur
vainqueur dans les projets, dans les promesses que le Seigneur avait mis dans nos vies. Alors je veux t'encourager à saisir la victoire, à y aller, à défoncer le mur qui est devant toi. N'aie pas peur, parce que le Seigneur a mis ses anges autour de toi. Il est avec toi, il te conduit. Alléluia, Jésus. Te louer, t'adorer, que chaque attaque ses bras, qui peut discerner mes pensées et continuer de m'aimer, qui tient toutes choses entre ses mains et marche à mes côtés. Toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Qui revêt des glaçons. Couvre de sa grâce qui m'aide dans mon heure la plus sombre d'un milliard de façons. Toi seul, Jésus, c'est toi.
chaque cœur vient chante le Seigneur. Que les pierres s'écrient, que les monts s'inclinent, chaque cœur vient loue le Seigneur. Vois les cieux s'ouvrir, vois les mers rugir, chaque cœur vient chante au Seigneur. Que les pierres s'écrient, que les monts s'inclinent, chaque cœur vient loue le Seigneur. Vois les cieux. Proclamer à la maison, dans les maisons, est-ce qu'on peut proclamer toi seul, Seigneur Jésus?
toi seul, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut élever ce beau et merveilleux nom de Jésus sur nos vies, sur nos situations? Est-ce qu'on peut élever la victoire de Christ sur tout ce que l'on vit? Est-ce qu'on peut déclarer, oui, toi seul, Jésus. Toi seul, Jésus. Toi seul. On veut dire toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur, sois là à la louange de nos bouches. Toi seul, Seigneur, sois l'objectif de nos vies. Toi seul, Seigneur, il n'y a que toi pour qui nous voulons vivre. Il n'y a que toi que nous voulons glorifier, que nous voulons honorer. Sois, Seigneur, établi sur le trône de nos vies. Sois, Seigneur, établi sur nos projets, sur nos pensées, sur nos cœurs. Que notre désir, Jésus, c'est que toi seul sois révélé. Que toi seul, Seigneur, sois glorifié sur la terre comme tu es dans les cieux, Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. Oh, toi seul. Seigneur, moi je veux te glorifier toi seul ce soir. Te glorifier parce que toi seul peux faire une œuvre qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou même penser. Une œuvre qui va au-delà de bien, de même de ce que l'on peut demander, Seigneur Jésus. Toi seul connais les choses parfaites et les plans parfaits, Seigneur, pour nos vies. Alors Seigneur, nous voulons dire toi seul. Parce que tu as les paroles de la vie. Et Saint-Esprit, moi je te prie que ce soir tu fasses des percées dans nos cœurs, dans nos vies, pour qu'on arrête de s'arrêter, de marcher sur nos propres principes, nos propres idées, mais que l'on puisse, Seigneur, avancer humblement à ta suite. Seigneur, tu cherches des disciples qui agissent selon toute ta volonté, qui mettent en pratique tes paroles. Seigneur, que tu puisses former nos cœurs afin que nous marchions avec toi, nous marchions derrière toi. Oui, Jésus-Christ, on veut glorifier, on veut chanter tes louanges tant qu'on vivra. On veut déclarer, Seigneur, que c'est toi seul. C'est toi seul qu'on aime, c'est toi seul qu'on chérit, qu'on adore. Vraiment, Jésus, glorifie-toi dans nos vies, Jésus. À ta manière et non pas à la nôtre. Parce que tu as une manière qui est tellement plus extraordinaire. Jésus, Église, Jésus a des plans, a des projets pour toi, a des choses pour toi. Quelqu'un doit entendre cela ce soir. C'est pas ce que tu imagines ou ce que tu comprends, mais ce que lui désire. Est-ce que tu peux dire ce soir, Seigneur, tu peux dire ce soir, oh Seigneur, je vais trop vite, mais que ta vie, tu la déposes sur l'autel comme un sacrifice vivant, afin que ça volonté se fasse dans ta vie, que ses plans soient libérés dans ta vie. Vous savez, souvent on empêche le Seigneur d'agir parce qu'on veut trop tenir les choses. Mais ce soir, le Seigneur dit, mais j'aimerais pouvoir agir librement dans ta vie. Est-ce que tu veux le laisser faire? Simplement écris Amen sur les réseaux sociaux ce soir. Simplement positionne-toi devant le Seigneur ce soir. Et que sa gloire soit manifeste et concrète et complète
dans ta vie. On va reprendre ce refrain, on va reprendre ce toi seul, et nous laisserons la place à Apôtre Werner pour le message, vraiment que son nom soit sanctifié dans nos vies, que sa volonté soit faite. Toi seul, Jésus, toi seul, Seigneur. On y va, Église. J'aimerais voir plus de joie dans les maisons, j'aimerais voir plus de vie. Allons-y. Toi seul, toi seul. Il y a de l'écho. Ça va, Église? Le nom du Seigneur est merveilleux. Il y a tellement de choses qui vont se passer ce soir. J'aimerais vraiment vous encourager. Mais on va pouvoir accueillir au milieu de nous ce soir Apôtre Werner. Donc à la maison, vous pouvez applaudir. On peut applaudir ici. Donc merci. En tout cas, sois le bienvenu, Werner. C'est vraiment un plaisir, un privilège de pouvoir t'accueillir. Viens seulement, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Le Seigneur me parle d'une personne qui vient de vivre une situation très difficile durant cette semaine, comme une déchirure dans ta vie, une rupture relationnelle en tous les cas, et tu as dit ton désarroi à Dieu, et tu es même fâché contre Dieu. Et le Seigneur, ce soir, il veut te dire, relève ta tête. Je n'ai pas terminé avec toi. Il y a un avenir, il y a de l'espérance pour toi. Je suis le Dieu qui restaure ce qui est cassé, ce qui est déchiré. Reprends courage, relève ta tête. J'aimerais vraiment t'encourager. Et toi qui es malade, tu as un problème au niveau du foie. Et la puissance de Dieu va te toucher maintenant. Je libère cette puissance miraculeuse qui vient de Dieu. Je prie que cette puissance de Dieu te touche maintenant. J'ordonne à ton foie d'être restauré. Que la puissance de Dieu vienne faire cette œuvre miraculeuse dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as un problème avec le nerf optique. C'est une inflammation du côté gauche. Et je libère cette puissance de restauratrice, guérissante de Dieu. Cette inflammation va se restaurer. Les médecins étaient passablement inquiets lorsqu'il y a eu ton dernier examen. Mais Dieu aimerait te dire, je te restaure. Je te guéris dans le nom de Jésus. Et je libère cette grâce de Dieu sur toi. Je vois une personne, tu as 46 ans, un homme, et tu viens d'être licencié. Et c'est un drame à l'intérieur de toi-même, un sentiment que le sol se dérobe sous tes pieds. Et tu es très inquiet et très préoccupé. Et là aussi, Seigneur, j'aimerais te parler ce soir et te dire, fais-moi confiance, j'ai un avenir pour toi. Je te redonnerai un emploi et il sera meilleur que celui que tu as jusqu'à maintenant. Ça ne te semble pas possible, tu n'arrives peut-être pas à le saisir avec ton imagination, avec ta tête, mais tu vas être surpris de ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu va ouvrir une porte là où il semblait qu'il n'y avait pas de porte et pas d'avenir. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux prier pour tous ceux qui ont été touchés, qui sont touchés par le Covid et qui ont été touchés par ce mauvais virus. Je prends autorité dans le nom de Jésus et je brise la puissance de ce virus qui attaque ton corps.
ces personnes qui sont aux soins intensifs, dans le nom de Jésus, je prie pour vous et je veux libérer la manifestation surnaturelle et puissante de notre Dieu pour que dans cette chambre de soins intensifs, tu sois touché, visité, que peut-être dans cette EMS, tu sois touché, visité, dans cet hôpital où tu es ou à la maison, la puissance de Dieu vienne sur toi maintenant. Je libère cette grâce de Dieu, cette puissance de Dieu. Jésus a dit, vous irez, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne peux pas vous imposer les mains. Peut-être que certains peuvent juste toucher ma main au travers de l'écran interposé. Je libère la puissance de Dieu. La puissance, elle n'est pas en moi. Je n'ai pas de pouvoir particulier. Je crois simplement à la puissance et au pouvoir qui vient de Jésus-Christ. Que la gloire et la puissance de Dieu viennent dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur l'esprit de mort qui rôde. Je lis cet esprit dans le nom de Jésus. Je lis ces puissances de désespoir, de découragement, de peur, d'anxiété, d'insomnie. Je chasse ces esprits dans le nom de Jésus. Ces esprits qui te tourmentent jour et la nuit dans le nom de Jésus. Ces esprits s'éloignent de toi maintenant. Si tu as invoqué le nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits méchants de s'éloigner de ta maison, de s'éloigner de ta famille. Je prie que la paix de Dieu vienne, la joie revienne, l'espoir renaisse dans le nom de Jésus. Et Dieu répand sur toi ce soir une huile de joie qui va te permettre de tout à coup de voir. C'est comme il y a une onction où Dieu touche tes yeux et tu es capable de voir des réalités spirituelles que normalement on ne peut pas voir avec nos yeux naturels. Mais Dieu ouvre ses yeux de ton cœur, ses yeux de la foi qui te permettent de contempler l'intervention et la manifestation de la gloire de Dieu. Soyez bénis. Merci Jésus. Merci Jésus. On te donne la gloire. Merci pour l'œuvre extraordinaire que tu as accomplie. Ce soir, c'est une soirée de joie et d'enthousiasme. C'est quelque chose de très particulier, ce qu'on va vivre ce soir. Au début de cette année, Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit, je veux que tu parles à chacun des leaders des gospels. On a une dizaine de gospels. Et je veux que tu revisites les ministères. Et je veux que tu établisses des ministères. Ça, c'est tellement peu fait dans le passé. Tout le monde, si tu veux servir Dieu, tu es pasteur, que tu le sois, que tu ne le sois pas. Peut-être que tu es un évangéliste, peut-être que tu es un docteur. Mais on a très peu établi les gens. On a juste dit, OK, une place pour le pasteur dans l'église. Et l'église est devenue très, très pastorale. Et Dieu m'a dit, il y a quelque chose qui doit changer à ce niveau-là. Et j'étais souvent offensé. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi on a tant de difficultés avec les prophètes, avec les apôtres? Ils sont où? Pourquoi ils ne sont pas là? Et le Seigneur m'a dit, pourquoi personne n'établit? Et au début de cette année, Dieu m'a parlé d'une façon très claire en disant, établis les ministères, revisite les ministères et écoute ce que Dieu dit aux uns aux autres, écoute aussi ce qu'eux, ils ont sur leur cœur, qu'est-ce que Dieu a placé en eux. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, on va établir Christophe et Sabine, Christophe dans un ministère apostolique et Sabine dans un ministère pastoral. Et le thème de ce que j'aimerais partager dans ces quelques minutes, c'est le fondement apostolique posé sur la pierre angulaire qui est Christ. L'Église est construite sur une pierre très, très solide qui ne sera jamais ébranlée. Le monde va être ébranlé. Les circonstances, le ciel et la terre vont être ébranlés. Cette pierre ne sera jamais ébranlée. Et cette pierre, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et c'est sur cette pierre que vient le fondement des apôtres, des prophètes et des cinq ministères que Dieu donne à l'Église. Je vais juste avoir besoin de l'eau. Donc, j'aimerais ce soir partager un certain nombre de choses. Mais en premier lieu, j'aimerais citer quelques textes de la parole de Dieu. Excusez-moi. J'aimerais citer cette parole qui est bien connue de Éphésiens 4, 11, que j'ai déjà cité certainement, que certains m'ont peut-être déjà entendu citer. Il est dit que Jésus a donné à l'Église, les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme pasteurs, comme docteurs, comme évangélistes. Jésus a donné à l'Église ses cinq ministères. Et très souvent, on s'est limité à un, mais Dieu aimerait que les choses changent. Et si on va dans 1 Corinthiens 12, au verset 28, il est dit, Dieu a établi dans l'Église. C'est pas, excusez-moi, c'est pas nous qui choisissons les choses, mais Dieu a établi un ordre. Et il dit, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, puis ceux qui ont le don de miracles, etc., de services, etc. Et Dieu a vraiment envie que le corps soit équipé d'une façon différente, mais qu'il y ait un fondement apostolique. Le mot apôtre fait référence à une onction que Dieu donne.
C'est pas, on nomme pas quelqu'un apôtre juste pour l'honorer ou à titre honorifique et pour dire, écoute, on t'aime bien, donc on va te mettre apôtre. Excusez-moi, ça ne fonctionnera pas. C'est pas un titre honorifique. Il faut que ça corresponde à un appel de Dieu et à une particularité que seul l'apôtre a. L'apôtre n'est pas un roi, c'est un ambassadeur de Jésus-Christ pour ramener une structure qui va permettre que tout le corps, toute l'église locale puisse se diversifier et que chaque membre de cette église locale puisse être rejointe et accomplir son service, son ministère. Ce n'est pas l'affaire juste d'une ou deux personnes qui gèrent le tout et puis les autres, vous êtes juste des laïcs qui venaient écouter. Ça doit changer. Ça a été pendant trop longtemps comme ça, ça doit changer. J'aimerais vous dire, si vous êtes un croyant, si vous êtes né de nouveau, Dieu a une attente que vous puissiez rentrer dans son royaume. Vous êtes rentré dans le royaume de Dieu au travers de la nouvelle naissance. Mais maintenant, vous devez servir dans son royaume. Et Dieu a un appel sur chaque enfant de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Beaucoup de personnes m'ont dit, comment je fais pour savoir quelles sont les œuvres que Dieu a préparées pour moi? Habituellement, on ne le sait pas. Excusez-moi. Habituellement, on le sait peu à l'avance. On trouve ça dans Éphésiens 2, verset 10, que Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres préparées d'avance. Mais j'ai découvert la chose suivante. Si une personne de tout son cœur dit, Dieu, je veux marcher dans les choses que tu as préparées pour moi, et si c'est réellement un cri, un désir de ton cœur, Dieu va te conduire dans les choses que tu as préparées, qu'il a préparées pour toi. Donc c'est très important que ces cinq ministères puissent fonctionner dans le corps de Christ, mais la personne et le ministère qui va établir les choses, c'est le ministère apostolique. Et si je regarde dans notre partie, dans notre région de la Suisse francophone, je vois qu'il y a très peu de personnes. Il y a des gens qui ont une onction apostolique, mais très souvent, elle n'a pas été reconnue. Et je peux pour ainsi dire que personne n'a été établi en tant que ministère apostolique. Ou si c'est le cas, seulement quelques-uns. Et on a comme retenu quelque chose qui est une faveur de Dieu. Je crois que ces ministères, ils ont toujours été donnés, mais ils n'ont pas été activés, ils n'ont pas été établis. Donc on veut que ces choses changent. Et ça, c'est l'objectif qu'on a ce soir. De dire, OK, on veut établir un ministère apostolique. Et comme je l'ai dit, donc ce n'est pas de lui donner juste un titre, mais que ça corresponde à une réalité intérieure et à un appel de Dieu et à une onction. Excusez-moi, dès que je force un peu ma voix, j'ai ma voix qui flanche. La particularité du fondement apostolique est, en premier lieu, j'aimerais dire, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de fondement apostolique? Si c'est un pasteur qui est à la tête d'une communauté, l'Église va devenir très pastorale. On s'occupe des gens, les gens sont, on les connaît tous, on les encourage, on s'en occupe, on prie avec eux, mais il n'y a pas d'établissement. Et toute l'Église devient très pastorale. D'autres églises, vous avez un prophète. Alors il y aura de l'enthousiasme, il y aura de la force, parce que le prophète, il va donner une vision. Mais ensuite, on voit que dans l'application concrète et la réalisation des choses, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Si vous avez un évangéliste, il va prêcher l'évangile tous les dimanches, même si les gens se sont déjà convertis plusieurs fois. Et on a vraiment besoin de ces ministères-là. Hein. Je ne dénigre aucun des ministères. On a besoin des cinq ministères. Si on a un docteur, vos bloc-notes sont pleins de notes, de références bibliques, etc. Vous savez plein de choses, mais vous ne savez pas très bien comment les mettre en application. Et je crois que si Dieu a choisi d'établir des ministères spécifiques, c'est qu'il y a une raison. C'est que Dieu a donné une onction particulière à certaines personnes pour mettre en place et structurer les choses. Ça ne se fait pas en 24 heures, ça ne se fait pas en 3 mois ou en 6 mois. Ça va prendre un peu de temps, mais de mettre en place les choses qui ont besoin d'être mises en place pour que les cinq ministères commencent à fonctionner ensemble. On ne les a pas toujours tout de suite. Mais aussi que toute l'Église commence à être influencée par ces cinq ministères. Excusez-moi, je suis vraiment mal pris avec ma voix. J'aimerais partager quelque chose concernant l'onction. J'ai dit que le ministère apostolique, il avait une onction particulière. J'aimerais
juste partager quelques mots concernant qu'est-ce que c'est l'onction. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit n'est pas l'onction, il est plutôt la source. C'est lui en tant qu'Esprit du Seigneur qui oint. Je vais utiliser une illustration pour l'expliquer. Une illustration, ça vaut. Jésus a souvent utilisé des illustrations, a souvent utilisé des paraboles. Dans un barrage hydroélectrique, la force de l'eau retenue dans le barrage fait tourner les turbines pour produire le courant électrique. C'est justement ce qui se passe avec l'onction. Sans la force de l'eau, les turbines ne sont pas en mouvement et on se trouve alors dans l'impossibilité d'obtenir de l'électricité. Ici, l'eau représente le Saint-Esprit, l'électricité, l'onction. Si le Saint-Esprit est la force qui produit l'onction, Dieu, en revanche, est celui qui décide de son usage, conformément à l'emploi auquel cette fonction est destinée. Dieu peut augmenter ou diminuer son intensité. Plus l'intensité de l'électricité symbolisant l'onction est grande, plus fort et plus résistant doit être le câble qui sera utilisé pour le transporter. Ici, le câble représente l'homme ou la femme que Dieu utilise en tant que canal de Dieu. Plus Dieu veut utiliser avec puissance pour être loin de l'Esprit Saint. Sans une cause à défendre, il n'y a pas d'appel, et sans appel, il n'y a pas d'onction. Et la question qu'on doit se poser, que j'aimerais vous poser, vous, chers téléspectateurs, vous qui êtes ici ce soir, quel est ton appel? Quel est le don que Dieu a préparé pour toi? Rentre dans ta destinée. Je sais que vous avez fait une formation ici qui s'appelle Destinée, avec un objectif, c'est que les gens rentrent dans leur destinée. L'onction de Dieu, je pense que si on veut qu'elle s'accroisse et qu'elle se multiplie, il y a deux choses qu'il faut faire. La première, c'est de rester proche et en communion avec Dieu. La deuxième, commencer à agir avec l'onction que tu as. Beaucoup de personnes attendent que Dieu fasse quelque chose de surnaturel, mais ils ne se mettent pas en action avec ce que Dieu leur a donné aujourd'hui. Mais c'est en se mettant en action, c'est en se mettant en mouvement avec ce que Dieu t'a donné, que tu vas grandir dans cette onction et traverser des obstacles et finalement pleinement pour accomplir ce que Dieu a préparé pour toi. Ce que nous avons fait pendant ce début d'année, c'est qu'on a suivi un protocole pour installer des ministères apostoliques. On ne fait pas ça juste comme ça par plaisir, puis parce que c'est fun et puis que c'est dans l'air du temps. Comme je l'ai dit, en premier lieu, Dieu nous a parlé. En deuxième lieu, j'ai rassemblé et j'ai rencontré avec une partie de notre équipe les différents leaders, les couples de leaders, pour les entendre, pour leur poser un certain nombre de questions et pour définir comment on allait poursuivre. Ensuite, j'ai rencontré le conseil des églises. J'en ai fait plusieurs, pas toutes encore, mais plusieurs de ces conseils. On s'est assis avec eux, on a partagé avec eux pour s'assurer que le conseil de l'Église est derrière et donne son appui. Maintenant, ce n'est pas un vote où c'est l'ensemble de la communauté qui prend ces décisions-là, mais ceux que Dieu a établis déjà dans l'Église locale. Et l'étape suivante qui est encore à faire et que je vais démarrer dans le début de l'année prochaine, c'est vraiment de coacher ceux qu'on a établis en tant que ministère apostolique pour qu'ils puissent progresser et rentrer pleinement dans la fonction que Dieu a préparée pour eux. J'aimerais lire deux textes. Et je vais commencer par 2 Corinthiens 10. À partir du verset 3 jusqu'au verset 8.
L'apôtre Paul doit ici se défendre parce qu'on lui a dit que finalement il n'était pas si spirituel que ça, etc., qu'il était charnel. Et au verset 3, voici ce qu'il répond. Si nous marchons dans la chair, j'ai vraiment quelque chose qui m'embête. Je prends autorité, Seigneur Jésus, contre cette oppression qui veut prendre ma voix, qui veut toucher mes cordes vocales dans le nom de Jésus. Je sens qu'il y a un enjeu spirituel. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Tu veux venir me lire ce texte, chérie? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez avec à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification, non pour votre destruction. Merci. Ça va pour l'instant. Ici, il est parlé, donc l'apôtre Paul parle que, OK, on marche dans la chair parce qu'on est des êtres humains, mais il souligne que le combat qu'il mène n'est pas un combat charnel, mais un combat spirituel. Et les armes avec lesquelles nous combattons, eh bien, elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un combat spirituel et la personne la mieux appropriée pour mener ce combat spirituel, eh bien, c'est le ministère apostolique. Et cette arme dont il parle ici, je crois que c'est ce ministère qui va ouvrir, qui ne va pas rester tout seul, puis prendre la tête de tout, puis essayer d'exercer un tout petit peu les cinq ministères, mais qui va être capable de prendre autorité dans le monde spirituel. Et ça rejoint cette pensée dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, où il est dit « Vous avez à combattre contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc l'arme pour combattre cela, c'est une autorité et une onction apostolique. Et j'aimerais vous encourager, je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez un appel qui va dans ce sens-là ce soir. J'aimerais vous encourager à prendre conscience que ce n'est pas juste dire « Ok, on fait comme on a toujours fait, on fait les mêmes prières. » Il y a un combat qui se livre dans le monde spirituel qui dépasse tout ce que nous sommes capables d'imaginer. On n'a pas besoin de voir tout ce qui se passe là-haut. Mais aujourd'hui, d'une façon évidente, et je ne parle pas de la réunion de maintenant, mais de l'époque dans laquelle on vit, il y a des puissances diaboliques qui sont relâchées sur cette génération et qui amène troubles et tourments un peu partout dans le monde. Dans le monde politique, dans le monde des églises, dans les organisations, dans le business, etc. Le diable est à l'œuvre pour essayer d'amener du trouble et du tourment. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a donné une arme, et cette arme, c'est le ministère apostolique. L'apôtre Paul ensuite dit quelque chose de très intéressant. Il parle de l'autorité qu'elle a reçue. Et il dit « Cette autorité que j'ai reçue pour votre édification et non pour votre destruction. » Donc il a une vraie autorité, il dit aussi qu'il va reprendre ceux qui résistent, etc. Mais il dit en premier lieu « L'autorité que j'ai reçue pour vous édifier, pour vous élever et non pour vous détruire ou vous écraser. » Et ça c'est un élément très important parce que je crois qu'avec ce ministère apostolique, eh bien, il y a une autorité que Dieu donne et il faut que cette autorité elle soit utilisée à bon escient. Il faut qu'on cherche à gagner le cœur des gens. Il faut qu'on aime les gens qui sont autour de nous. Aimer ne veut pas dire seulement dire oui. Certains pensent que dire oui, aimer, c'est toujours dire oui, même quand ça ne va pas. Mais c'est dire la vérité en Christ, la vérité dans l'amour, comme nous enseigne la parole de Dieu. L'onction s'accroît quand on est
dans ce désir d'avancer, de progresser. La fonction apostolique, c'est évidemment, c'est ensuite de s'entourer d'autres ministères. Vous êtes un couple, donc il y a déjà dans votre couple, il y a déjà un ministère pastoral qui est en naissance chez toi et qui est en développement dans ta vie, Sabine, et je reconnais pleinement ça. Et je reconnais vraiment une autorité apostolique dans ta vie, Christophe. Et je suis honoré de pouvoir vous établir et vous reconnaître. Mais il en manque encore trois. Donc il faudra y travailler. Et vous savez, beaucoup aujourd'hui, un terme qu'on utilise beaucoup, on dit qu'il faut faire des disciples. Et c'est très juste. Mais très souvent, dans le concept des chrétiens, quand on dit faire des disciples, c'est de leur enseigner la Bible, leur enseigner le béaba de l'Évangile et de les amener à être des chrétiens qui sont un tout petit peu stables. Mais votre rôle, et ton rôle en particulier, Christophe, c'est de faire des disciples, c'est de lever ces autres ministères qui sont manquants. Étape après étape, quand Dieu les donne, on ne peut pas faire ça artificiellement en disant « on nomme des gens comme ça », mais quand on voit une onction, et il y a des personnes de cet ordre-là, ici chez vous, que je connais, quand on voit quelqu'un qui est loin, c'est de commencer à le discipuler, c'est de commencer à l'accompagner. Bon, je vois dans notre équipe apostolique chez nous, on a dit, il nous manque certains ministères aussi, en particulier des apôtres. Et puis, on s'est dit, sur où ces apôtres? Pourquoi il y a si peu d'apôtres? Et une des choses que Dieu nous a montrées récemment, c'est de dire, mais pourquoi vous allez... Pourquoi il manque les prophètes? Puis le Seigneur a dit, pourquoi vous n'allez pas chercher ceux qui ont un don prophétique? Parce que de toute façon, un ministère prophète, ça commence avec un don prophétique. Et puis que vous les discipulez, vous les accompagnez pour les élever, pour qu'ils deviennent des prophètes. Donc c'est ce qu'il faut faire, il faut aider ces gens que Dieu a appelés, où il y a quelque chose qui commence à... Vous savez, il y a un moment donné, si vous laissez la vie de Dieu passer au travers de vous, il y a un moment donné où les choses vont se voir. Si vous faites quelque chose de bien assez longtemps, ça finit toujours par se remarquer. Et n'établissez pas des gens qui vous demandent de pouvoir être établis. Établissez parce que Dieu a parlé et parce que vous voyez un fruit. Moi j'aime beaucoup des choses toutes simples. Jésus a dit c'est un fruit, au fruit qu'on reconnaît un arbre. Donc il faut qu'il y ait un fruit qui apparaisse, mais ensuite il faut discipuler pour que la personne devienne mature. Et ça c'est quelque chose qu'on a peu appris à faire. Et très souvent, très récemment, des collègues pasteurs m'ont dit « On a un nouveau cours de disciples, c'est génial, mais non, c'est vraiment super ce qu'on fait. » J'ai dit « Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est ce cours ?» Ils m'ont expliqué. J'ai dit « Mais c'est ce que vous enseignez depuis toujours. Vous enseignez des bases de l'Écriture, et je m'en réjouis. Et il faut les enseigner. Mais est-ce que vous enseignez les gens à guérir les malades, à chasser les démons? Est-ce que vous enseignez par rapport aux cinq ministères ?» Ils m'ont dit « Non !» Le discipulat, ce n'est pas ça. Le discipulat, c'est d'amener les chrétiens, les nouveaux chrétiens, à une certaine maturité pour qu'ils soient gentils, puis qu'ils s'asseyent le dimanche toutes les fois à la même place, puis qu'ils soient surtout qu'ils soient présents. Ouh ! Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut sortir ce système où il y a le pasteur qui est là, puis les autres, c'est les laïcs qui écoutent ici. Et chacun d'entre vous, vous êtes appelés, frères et sœurs, à exercer un ministère. C'est quoi un ministère ? Ben, au premier lieu, c'est un service. Et il ne faut pas qu'on combatte le service de l'autre, il faut qu'on fasse celui que Dieu nous a confié. Et puis, si vous êtes fidèle, ben, ça va se voir. Si vous servez Dieu, ça va se voir. Et peu à peu, eh bien, vous allez prendre... Et puis, il n'y a pas tout qui se passe ici. Des fois, on pense que tout ce qui est du ministère doit se passer sur le podium, ici, avec le micro dans la main. Moi, je pense qu'il y a plus de choses qui doivent se passer dehors. Et les malades, il ne faut pas guérir juste les chrétiens le dimanche matin. Il faut guérir ceux qui ne sont pas chrétiens. Manifester la puissance de Dieu et voir que Dieu va se glorifier et se manifester. Donc, tous acteurs dans le corps de Christ. Ça, ça me semble important. Je voulais lire un autre texte, mais le temps passe très vite, donc je vais le laisser. Donc, je vais juste le signifier. C'est intéressant, ça se trouve deux fois dans le chapitre 12, une fois dans Romains 12, du verset 1 à 10, et puis une fois dans 1 Corinthiens 12, il est parlé du corps. Nous sommes les uns et les autres une pierre vivante. Je crois que c'est toi qui l'as dit d'ailleurs, Christophe, tout à l'heure. Tu as parlé de la pierre vivante que nous sommes. Ou est-ce que c'est ce matin Nicolas qui en parlait ce matin? Nous sommes des pierres vivantes et l'ensemble du corps sont des pierres vivantes qui ont besoin de trouver leur place dans l'édifice. Et Dieu construit une maison et Dieu ne veut pas des gens qui soient juste négligés comme ça. Prends ta place, rentre dans ta fonction. Dieu va t'honorer et Dieu est honoré si tu fais ce que tu es appelé à faire.
Et j'aimerais dire merci à tous ceux qui travaillent, tous ceux qui s'impliquent, ceux qui parfois restent dans l'ombre, mais qui servent. J'aimerais vous honorer de façon particulière, parce que ceux qui sont devant les gens les voient. J'aimerais remercier les louangeurs. C'était magnifique ce soir. Merci pour vos prestations, merci pour votre engagement. Super. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont changer à la côte et à d'autres endroits aussi. Et on veut maintenant passer à cette consécration. Donc on va reconnaître on reconnaît ce ministère chez toi, Christophe, ministère apostolique. Dans certaines églises, des églises plus grandes, en particulier là où je viens, souvent le principal, on ne l'appelait pas apôtre, on lui disait c'est le pasteur principal. Il faut qu'on change un peu nos vocabulaires. Je pense qu'il faut qu'on ose utiliser le mot apôtre sans appeler monsieur l'apôtre, monsieur l'apôtre, monsieur l'apôtre. Et je pense qu'à l'extérieur, on n'a pas besoin d'être appelé apôtre. Les gens qui ne sont pas dans la foi, ils ne vont plus rien y comprendre. Si on leur dit qu'on est pasteur, ça va très bien. Donc je ne demande pas à ce qu'on m'appelle apôtre personnellement, mais je le suis et puis je n'ai pas besoin de... Enfin, je n'ai pas besoin de me mettre sur un piédestal pour toujours appeler aux gens, je sais, moi, l'apôtre, etc. Faisons l'office de. Ça, c'est important. Le fait de dire, je veux être reconnu, etc., pourvu que tu sois connu de Dieu et que tu fasses ce que Dieu a commandé et a prévu pour toi, ça, c'est essentiel. Donc, nous faisons partie d'un corps, et dans ce corps, il y a chaque membre qui est important. Je ne sais pas si vous êtes déjà blessé le petit doigt de pied, par exemple. On n'y pense pas tous les jours au petit doigt de pied, hein? Mais quand une fois qu'il est blessé et que vous ne pouvez plus poser le pied par terre parce que ça fait mal, ou bien qu'il y a un ongle incarné, tout à coup, il est très, très important, ce petit doigt de pied. Donc, chacun des organes de notre corps, chacun des organes du corps de Christ est important. Et vous faites, bien aimés, vous qui nous suivez, vous faites partie de ce corps de Christ. Et j'aimerais vous encourager à prendre votre place en tant que pierre vivante. Amen. J'ai le plaisir de présenter ce soir notre fille, donc mon épouse qui est venue lire le texte tout à l'heure, je ne vais pas lire le deuxième texte, notre fille Sarah qui est là, elle a un don prophétique. Et je trouve qu'elle l'a déjà pas mal exercé, donc je l'ai invitée à venir ce soir, j'ai dit tiens, tu viendras exercer un peu ton don prophétique là, sur les jeunes. J'ai pris notre fils qui est le pasteur, le ministère apostolique, il devait être consacré le mois dernier, ça ne s'est pas fait à cause du Covid, on voulait attendre un tout petit peu qu'il y ait de nouveau des gens présentiels pour le faire. Mais Nicolas a vraiment un appel aussi apostolique et on va l'établir très prochainement. Donc Nicolas est là aussi. J'aimerais laisser peut-être la parole à Nicolas si tu veux dire quelques mots ou si tu veux simplement venir prier et puis dire quelques mots que tu viens pour la prière. Bonjour. Quelle joie d'être ici, d'être avec vous. C'est bon de pouvoir vivre l'Église ensemble. Et ce que j'avais très fort sur mon cœur depuis le début de cette célébration, c'est cette déclaration de Jésus dans Matthieu 28, qui dit « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. » Et puis ensuite, il dit « Allez donc !» Parce que cette autorité, Jésus l'a reçue, mais Jésus nous l'a donnée pour aller. C'est ce que j'avais pour vous. Christophe et Sabine, je voyais vraiment cette autorité de Dieu qu'elle est déposée sur votre vie et cette invitation de Jésus à aller. Allez donc avec cette autorité. Et ce que j'avais très fort sur mon cœur, mon papa l'a dit pendant son message, c'était cette invitation à rester dans sa présence, à prendre ces temps d'intimité. Et même s'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à vous et qu'il y a beaucoup de possibilités, ne faites pas l'impasse sur l'intimité que vous avez avec Dieu. Mais après, il y a une deuxième chose. Dans ce « aller donc », c'est cette audace. Et je crois que Dieu veut vous inviter à une nouvelle audace dans ce qu'il a placé dans vos vies, une nouvelle « oser aller dans ce que Dieu a mis sur vos vies ». Et j'avais vraiment ça très fort sur mon cœur, cet équilibre entre l'intimité et en même temps l'audace de dire « on va relever ces défis nouveaux, on va rentrer dans les choses nouvelles que Dieu a pour nous ». Et je crois qu'il y a réellement des choses nouvelles pour cette Église, cette communauté. Et vous allez voir la main de Dieu. Et peut-être aujourd'hui, on est tous à la maison. Mais je l'ai dit ce matin chez nous, l'Église n'est pas morte. L'Église est en vie parce que l'Église, c'est nous, les pierres vivantes. Et aujourd'hui, l'Église va rentrer dans quelque chose de nouveau, même si c'est différent. Et Christophe et Sabine, je crois qu'il y a vraiment ça sur votre vie, cette autorité de Dieu qui va venir de plus en plus. Et plus vous allez rester dans cette intimité et en même temps oser l'audace, plus cette autorité va augmenter. Et j'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci pour Christophe, Sabine.
Merci Seigneur pour ce choix qu'ils ont fait de te dire oui. On veut se lever, on veut s'engager. Et ça fait des années que ce choix a été fait dans leur cœur. Et Seigneur, on veut prier aujourd'hui dans cet établissement ministériel, Seigneur, que tu fasses croître sur leur vie, Seigneur, cette autorité. Que tu fasses croître, Seigneur, sur leur vie cette puissance qui vient de toi. Et Seigneur, que alors qu'ils vont aller de l'avant, qu'ils vont rentrer dans les choses et oser mettre leur audace en avant, Seigneur, merci parce que tu vas accompagner leur ministère de signes, de prodiges, de manifestations de ta puissance. Et Seigneur, on prie que ton onction repose sur eux, mais que ce manteau d'onction s'élargisse, s'agrandisse, Seigneur, de plus en plus. Bénis-les, Seigneur, bénis cette communauté du Gospel Center La Côte, Seigneur. Merci pour les projets que tu as pour cette Église. Et Seigneur, on se réjouit de voir ce que tu vas faire avec cette communauté dans cette région de La Côte. Et Seigneur, nous voulons croire que cette région va être touchée par la puissance de l'Évangile. Amen. Merci. Est-ce que je peux vous inviter à venir sur la scène, Christophe et Sabine? Je vais inviter mon épouse, je vais inviter Sarah. Merci, Nicolas. Venez pour que vous soyez sur les caméras. Je crois que c'est ici que ça se passe. Voilà. OK. Tu veux dire quelques mots maintenant, chérie? Oui. Ce matin, alors que je méditais un petit feuillet, j'ai reçu pour vous, Sabine et Christophe, ce passage dans le psaume 91, depuis le verset 14. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui réponds. Je serai avec lui dans le malheur, je vais le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle et je lui montrerai que je suis son sauveur. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez méditer. C'est comme si le Seigneur me disait, ils se sont attachés à moi. Ils ont mis leur vie pour m'honorer et Dieu vous dit, je veux aussi vous honorer. Je vais vous honorer. Vous allez simplement voir dans la simplicité que vous avez été jusqu'à aujourd'hui. Dieu vous tient, Dieu vous donne cette promesse d'être avec vous et de vous honorer parce que je vous aime et vous êtes précieux pour moi. Amen. Tu voulais prendre tes objets ? Donc voilà, Sarah Gerber, donc notre dernière fille. Je te laisse la parole. Wow. Alors moi, j'ai été très touchée ces derniers jours alors que je priais pour ce moment, que je priais pour vous de voir tout ce que Dieu m'a montré et comment Dieu vous percevait. Et j'aimerais dire, la première chose que j'ai vue, c'est la place spéciale sur son cœur. Et ça a aussi été dit plusieurs fois ce soir, mais il y a vraiment quelque chose de spécial sur le cœur de Dieu vous concernant. Et Dieu m'a parlé de vos cœurs. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très important, et Nicolas l'a dit aussi, par rapport à vos cœurs. Et un avertissement, ce n'est pas dans le sens d'avoir peur, mais de faire attention à vos cœurs. De faire attention à ce qui rentre dans vos cœurs, de faire attention à ce que vous laissez s'établir dans vos cœurs. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un début, il y a quelque chose de nouveau qui vient, mais le chemin est long. Et c'est important de garder vos cœurs, de garder votre relation ensemble en tant que couple, parce que ça, c'est le fondement aussi. Et c'est très important pour les gens qui vont vous suivre, de garder bien sûr votre relation à Dieu. Parce qu'au fait, ce que je voyais aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de cœurs qui vont venir, beaucoup qui vont se rejoindre à vous. Et la deuxième image que j'ai reçue, c'est cette grosse... imperdable. J'ai été la chercher pour vous hier alors que je l'avais vue chez une fleuriste. Et au fait, je crois que Dieu veut vous rappeler sa grandeur, sa force, sa solidité. Et je crois qu'il y a une invitation à venir. Et c'est ce que vous faites déjà, mais j'aimerais simplement, je sais que vous mettez déjà toutes ces choses en pratique, de vous attacher fortement à Dieu, de rester attaché à lui. Et ce n'est pas forcément pour aujourd'hui, c'est pour les années futures, pour le parcours, pour le chemin qui va être là devant vous. Et j'avais envie de vous laisser ça vraiment comme une image, que notre Dieu est un Dieu disproportionné, bien plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, et que lui va rester, alors que vous restez attachés, parce que c'est un choix de notre part de rester attachés, alors Dieu va rester fidèle. Et j'aimerais vraiment vous laisser ça comme image, qu'il va être là à vos côtés.
Et puis, une autre image que j'ai vue aussi très clairement. J'ai vu un peuple derrière vous alors que vous marchiez. J'ai vu un peuple aussi nombreux que le peuple d'Israël quand il suivait Moïse. Et je vous ai vu avancer avec ce peuple. Et ce qui vient maintenant dans ces temps pour vous vous dépasse complètement. Mais Dieu est au contrôle. Et j'ai vu des gens venir et remplir vos mains de nourriture, de vos besoins matériels, comme si vous n'aviez pas à vous occuper de ça, parce que les gens étaient derrière vous, vous suivaient. Mais ce qui vient vous dépasse, va vous dépasser complètement. Mais Dieu va être au contrôle. Et une autre chose, Sabine, plus spécifiquement pour toi, je crois que c'est le temps que tu commences à raconter ton histoire. Il y a des choses que tu as vécues en tant que femme et que tu n'as encore pas beaucoup raconté ou pas beaucoup partagé. Et c'est le temps que tu ouvres ta bouche. Il y a des milliers de femmes qui attendent ton témoignage et qui vont être sauvées, des cœurs qui vont venir se joindre parce que tu as ouvert ta bouche et que tu as partagé ce que tu as vécu. Simplement, donc qui tu es, tu n'as pas besoin d'en rajouter, mais commence à dire ce que tu as vécu et à raconter ton histoire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui ont besoin d'entendre ce que tu as vécu. Et il y a une onction particulière sur ta vie pour rassembler, pour faire revenir les cœurs. Je voyais des cœurs entièrement brisés. Et alors que tu parlais, que tu partageais de ce que tu avais vécu, j'ai vu des cœurs qui se remettaient à battre, à fonctionner, alors qu'il y avait des dysfonctionnements. Il y a une profondeur dans le fonctionnement du cœur qui revenait, et des gens qui pensaient ne plus jamais pouvoir avoir un cœur qui bat, qui vont commencer à avoir le cœur qui va se remettre à battre. Donc vraiment, je t'encourage, c'est le temps que tu ouvres ta bouche et que tu commences à dire ce que Dieu a fait pour toi, même à travers les échecs, même à travers les choses difficiles que tu as vécues. Il y a la vie qui va sortir. J'ai vu une source qui montait à l'intérieur de vous et qui sortait et qui dégageait un débit d'eau. C'est puissant, les amis, ce qui vient sur vous et ce qu'il y a sur vos vies. Et c'est le temps vraiment de commencer à parler et de déclarer. Et les choses vont se faire naturellement. Vous n'avez pas besoin de chercher à produire ou à faire quelque chose. Donc, qui vous êtes, parce qu'il y a une onction particulière sur vos vies. Et puis, encore un dernier petit objet, plutôt pour la rigolade, mais si vous manquez de feu, alors il est la source. Et il va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Une petite boîte d'allumettes rigolote. Voilà, soyez bénis vraiment. J'aimerais te demander, Sarah, si tu veux bien prier pour tous ceux et celles qui, dans cette communauté, mais aussi au-delà de cette communauté, ont un appel prophétique, une oreille prophétique, une sensibilité prophétique, quelque chose qui est naissant au niveau du prophétique. Est-ce que tu veux bien prier pour eux et libérer la grâce de Dieu? J'aimerais juste dire que pour beaucoup, vous dites « je n'entends pas Dieu ». Et au fait, on a une faculté à entendre la voix de l'ennemi, nous dire qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas ce dont on a besoin. Mais les amis, Dieu nous parle constamment. Et puis parfois, il nous dit des choses qu'on n'est pas prêt à obéir. Donc j'aimerais vraiment vous encourager. Seigneur Jésus, je veux te prier ce soir pour que ton onction prophétique puisse être réveillée en chacun de nous. Alors que les temps pressent, alors que la saison dans laquelle nous vivons, on a tellement besoin d'entendre et de déclarer ce que tu dis, qui tu es, ce que tu veux faire, parce que tu es au contrôle. Et je te prie, Seigneur Jésus, que ce soir tu visites chacun et que chacun puisse ressentir de toi, de ta présence, de ce que tu veux dire, et que des hommes et des femmes puissent se lever en nombre pour déclarer ce que tu as à dire dans cette génération, dans cette période tellement particulière que nous vivons. Et je te prie, Seigneur Jésus, que tu lèves vraiment des cœurs, des gens qui ont tellement envie de déclarer et de dire qui tu es et combien tu es grand et combien tu es au contrôle dans toute cette période que nous vivons. Dans le nom puissant de Jésus, lève, Seigneur Jésus, des hommes et des femmes remplis de ta présence qui vont déclarer tes œuvres et tes bienfaits. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je peux demander aux frères et sœurs qui sont ici de vous lever? J'aimerais prier encore pour Christophe et Sabine. Normalement, j'aimerais vous imposer les mains, respecter les gestes, les distances sociales. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, d'abord, on te dit merci pour Christophe et Sabine. On te dit merci pour ce qu'ils ont fait ici à la Côte, dans le Gospel Center, dans ces 3-4 dernières années. Ça fait combien d'années qu'on a commencé? Bientôt 4, pas encore 4. Et puis, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe ici. Seigneur, je te remercie, je te consacre et j'établis Christophe en tant que ministère apostolique. Et je te remercie parce que tu lui donnes l'onction appropriée.
Et je prie, Seigneur, comme Sarah l'a dit dans la parole prophétique, je prie que tu ouvres ses vannes, qu'il y ait une pression qui monte en lui, qu'il puisse rester lui-même, qu'il ne soit pas essayer de se changer lui-même ou être différent, mais qu'au travers de son naturel, Seigneur, tu déverses ta grâce, tu déverses ton autorité, ta sagesse, ton amour, ta force, dans le nom de Jésus. Je prie pour Sabine, Seigneur, dans ce ministère pastoral. Seigneur, je prie que tu la remplisses de force, de sécurité, de joie de te servir. Je prie que tu lui donnes comme un trousseau de clés avec lesquels elle peut ouvrir, déverrouiller les cœurs qui sont verrouillés, les situations qui sont compliquées. Je libère une grâce et une onction de Dieu sur toi, Sabine, pour que tu puisses exercer dans ce ministère pastoral et trouver un épanouissement de la joie, mais voir aussi des interventions de Dieu alors que tu parles, alors que tu parles avec les gens, alors que tu déposes dans leur vie quelque chose. Il n'y a pas seulement juste ta parole qui est déposée, mais il y a quelque chose de la puissance de Dieu qui va se manifester au travers de toi, Sabine, dans le nom de Jésus. Et pour toi aussi, Christophe, je proclame que, comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12:12, il dit que son ministère est confirmé par des signes, des miracles, et je déclare que de plus en plus, la puissance surnaturelle de Dieu va se manifester au travers de toi. Et je libère cette grâce de Dieu sur toi, et je me réjouis de cheminer avec vous, de vous accompagner dans l'étape qui est devant, qu'on puisse vous coacher pour qu'on puisse progresser ensemble pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus, je bénis le corps, je bénis cette communauté locale, vous tous qui appartenez au Gospel Center La Côte, je vous bénis de façon particulière dans le nom de Jésus. J'appelle la bénédiction de Dieu sur vous, sur vos familles. J'appelle la joie, j'appelle la force, j'appelle l'enthousiasme. Je vous encourage à rester proche de Dieu pour que vous soyez bouillant pour Dieu, même si dans les distances on est éloigné. Restez bouillant pour Dieu. Une personne m'a dit récemment, les gens tièdes vont basculer soit dans le bouillant, soit dans le froid. Eh bien, s'il y a des gens qui sont tièdes, je vous encourage, criez vers Dieu et basculez dans ce qui est bouillant. Dieu aime ce qui est bouillant ou ce qui est froid. Et je déclare, Seigneur, qu'il y a une onction pour le chaud, quelque chose de bouillant qui va naître dans le cœur de beaucoup d'entre vous, de certains d'entre vous qui n'appartenaient pas à cette Église, mais qui y viendraient, de ceux et celles qui sont encore loin de Dieu, mais qui allaient être touchés par la puissance de Dieu. Je déclare qu'à partir de ce lieu, la puissance de Dieu va commencer à se déverser, non seulement au travers d'un ministère ou de deux ministères, mais au travers du corps. Et je libère l'onction de Dieu sur le corps ici. Je vous appelle à la vie, je vous appelle à l'exercice du ministère que Dieu vous confie les uns et les autres. Je vous appelle à être attaché à Dieu et être attaché à la communauté locale dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je lis toute puissance d'adversité, toute puissance qui se dresse contre ce que le projet de Dieu. Et je déclare, Seigneur, que ce que tu as projeté de faire dans cette partie de la Suisse francophone, Seigneur, tu vas le faire avec puissance et avec gloire. Nous bénissons tous les chrétiens d'autres communautés, d'autres églises, Seigneur. Tous ceux qui t'aiment et qui sont attachés à toi, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Tous ceux qui nous suivent, Seigneur, sur la toile, merci, Seigneur, d'étant ta bénédiction. Et je prie encore une fois pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans des besoins spécifiques. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Que l'onction de Dieu touche vos vies dans le nom de Jésus. Et je brise tout ce qui s'est élevé contre cette onction, tout ce qui a essayé de te détruire, parce que le diable est venu pour dérober et que j'ai détruit. Mais celui qui est vie a dit, je suis venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Soyez bénis, merci beaucoup de votre attention. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Soyez bénis nos chers, on vous aime et on est très réjouis d'avoir vécu ce moment avec vous. Merci beaucoup, excusez-moi encore pour mon problème de voix tout à l'heure, mais je crois qu'il y a quelque chose de spirituel qui est venu m'attaquer. J'étais comme ma voix était bloquée. Merci beaucoup. Soyez bénis. J'ai retrouvé ma voix. Alléluia. Yes, amen. Preach. Alléluia. Merci beaucoup, Sarah. Magnifique. Waouh. Tu as une belle onction prophétique déjà. Hein? Continue. Tiens bon. Ça, c'est pour eux. Tu reprends. Amen. Ah, ça, il faut suspendre ça quelque part. Hein? Oui, c'est ça. Puis il y a de la place pour mettre plus hein, de cœur. Hein? Alléluia. Merci. Ce que tu veux que je sois, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase.
invité ce soir à pouvoir juste se déclarer cela, pouvoir libérer cette reconnaissance qui est la louange qui sort de notre bouche et de pouvoir déclarer simplement ce soir, mais fais de moi, Seigneur, ce que tu veux que je sois. Fais déborder ma vie, Seigneur, d'un vin nouveau. Et que cette promesse puisse être libérée sur chacun d'entre nous, dans chacune de nos maisons, de nos foyers. Que dans ton travail, tu puisses déborder d'un vin nouveau. Que là où le Seigneur te place toute la semaine, tu puisses déborder d'un vin nouveau. Et être cette différence du royaume de Dieu, là où tu es placé. Ne minimise jamais la puissance de la lumière. Ne minimise jamais la puissance de l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de toi. Et je vous invite à vous lever, on va se quitter sur ce champ, on veut déclarer à notre Seigneur Jésus, ben fais de nous ce temple, ce vin nouveau, celui que tu veux qu'on soit. On se retrouve, Dieu voulant, dimanche prochain à 17h30 pour la célébration. Que vous soyez tous bénis, encouragés et renouvelés. Amen. Alléluia. Merci. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder, fais déborder.